Bonjour tout le monde, bon début de journée. On fait notre échauffement avec Cindy et Jean. Vous êtes prêts, les amis? Absolument. On est tellement en train de marcher sur place. L'échauffement est essentiel, vous le savez, parce que vous allez travailler fort en musculation des épaules, des bras, musculation des abdominaux, des cuisses, des fesses. Donc, on veut tout préparer ça. C'est vraiment la bonne façon de faire. Donc, on marche sur place. On va garder cette marche et on va faire ouvre et ferme. Vous êtes prêts? On y va maintenant. On ouvre et on ferme. Donc, c'est vous qui allez ajuster, vous le savez. Vous me connaissez peut-être. J'aime beaucoup que vous ayez plusieurs alternatives. Avec Jean, vous aurez toujours une alternative un petit peu plus, disons, intense. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus en forme nécessairement, mais il y a des jours où on a envie de pousser plus. Et avec Cindy, vous allez avoir une version un peu plus accessible, OK? Dans deux, on va faire des talons aux fesses ou des leg curls. Vous êtes prêts? On reste sur place. Tire avec les bras, puis en même temps, bien, évidemment, ça nous permet d'échauffer les épaules. On peut faire ça très petit. On peut faire ça très petit. Si je ne voulais pas impliquer les bras, je pourrais carrément avoir les mains sur les hanches. Surtout au début, hein, au début de l'échauffement. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu tires avec tes bras et tu tires ton talon sur la fesse. Et tantôt, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le tourner en quart de tour. On essaye, Jean, OK? On tourne. Et si vous préférez ne pas faire le quart de tour, eh bien, vous allez suivre Cindy. Donc, on s'en va de côté comme ça, tout simplement. C'est comme si je voulais aller voir ce qui se passe à côté, mais je change d'idée. On s'en va surveiller Cindy. Coucou! Step touch encore, encore, pardon. Leg curl derrière. Hop, hop! C'est bon. Côté. Jean, on va reprendre la marche. Cindy, on reprend la marche ici. Ouvre et ferme. Descends dans les jambes. Yay! Descends dans les jambes. Talons aux fesses maintenant. Hop, hop, hop. Encore quatre. On va rajouter un élément. 4, 3. On va faire des glissades. Des glissades, c'est comme un step touch, mais je veux que tu ailles plus dans tes cuisses. Et si tu peux, tu vas te propulser juste un peu pour vraiment faire grimper tes fréquences cardiaques. C'est bon? On va faire un repeater ici. Repeater. 3 genoux. Marcher et faire ça de l'autre côté. 3 genoux. 2. 1, de l'autre côté. 1, 2, 3, de l'autre côté. 1, 2, 3. Et une dernière fois parce qu'on va marcher avec la jambe gauche. Attends-moi ici. C'est bon ça, tout le monde? Du début, on ouvre et on ferme. On va faire un peu moins de répétitions. Ouvre, ouvre. Encore 2 autres ici. Ouvre. Et talons aux fesses, combien de fois? 8 fois. Avec ou sans le quart de tour. 4 autres. Vous êtes bons. Glissade, on recule un peu. 4, 3, 2, repeater. 3 genoux, 2, 3, et attends-moi ici, on marche. Est-ce que tout ça, ça va? On va l'assembler comme il faut. Moins de répétition. On ouvre et on ferme 2 fois. 1, et talons aux fesses. 4 fois, c'est 1, 2, 3, on recule pour 4, 3, 2, 3 fois le même genou. Et reviens. Marche à gauche. 2 fois. Talons, fesses pour 4. C'est 1 et 2. Et on recule avec les glissades. Pousse. 2, 3. 3 fois le même genou. Super beau. Refais ça, OK? Regarde, si tu veux, tu peux accélérer ici. Out, in, out, in. Talons, fesses. Comment ça va? Ouais. Recule. 4. Pousse. Dans tes jambes. Dans tes jambes. 3 fois le même genou. 2, 3. Merveilleux à gauche. Wouh! Et talons, fesses. 4, 3, 2. Recule. 4, 3, 2. 3 fois le même genou. Est-ce qu'on peut le refaire? Ben oui. On ouvre. Go. 1. Encore une petite minute à peine d'échauffement. 4, 3, 2. Reculez, reculez. Pousse. 4, 3, 2. 3 genoux. Hop! Et à gauche, marchez, ouvre. Et ouvre. Ouh! Talons, fesses. 2, 3. Et reculez. 4, 3, 2. 3 fois le même genou. J'aimerais ça le refaire. On le refait. Cindy est d'accord. Ah, plus vite, plus vite. Go. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Talons aux fesses. 2, 3. Et on recule. 4. Pousse, pousse. Ça devient presque cardio, oui. 2, 3. Et 1. Je pensais, Jean, que tu avais dit parle pour toi. Et...
Attention, on est presque au bout de tout ça. Recule. 4, 3, 2, et 3, 2, et marchez. Reste ici. Inspire. Et en bas. Encore. Hop. Vous êtes bon. J'espère que vous êtes contents parce qu'on s'attaque à la musculation. Quelques petites secondes. Préparez-vous. Petite bouteille d'eau. Peut-être des petits haltères pas loin. Un tapis pour être confortable au sol. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à faire un bon cardio avec nous? 15 minutes! Vous savez que c'est essentiel. Vous connaissez mes comparses Cindy et Jean. On va bouger ensemble. Et la première partie de ce cardio, vous allez la reconnaître parce que c'est votre échauffement, un des deux échauffements. Alors, on va faire step touch avec un bras. Évidemment, si vous avez beaucoup d'espace, utilisez cet espace. On fait 4, 3, 2, et on recule avec des step touch. Fais des grands cercles avec les mains. Et grapevine à droite. 3 et 2. Et un autre. Marchez juste ici. Et step touch à gauche. 4, 3, 2. Deux bras. On recule un petit peu. Ouh! Et grapevine. On s'en va vers la gauche. 1 et 2 et 3. Deux claps. Ouh! Allez, côté. 2, 3. Deux bras. Hop. Recule un peu. Grapevine à droite, 1. Et commencez-vous à être plus confortable déjà. 3 et mambo. Et step touch à gauche. C'est beau! Évidemment, vous vous ajustez pour être confortable. Mais là, on veut du cardio. Donc, on veut que vos fréquences cardiaques grimpent un peu. Donc, vous devriez être un peu essoufflé. Oui? Et pour être essoufflé, ça veut dire engager les grandes masses musculaires, hein? Des jambes qui font des grands mouvements, des bras bien engagés. Wouhou! À gauche, step touch. Et plus vous allez vous déplacer, plus vous allez utiliser d'espace, plus vous allez faire grimper les fréquences cardiaques. Grapevine. 1, 2, mambo. Et la même chose, une dernière fois. On va rajouter une autre routine tout de suite après. Recule. 4, 3, 2, 1. Grapevine, 1. 2, 3, et... Whoop! Step touch à gauche, 4, 3, 2. Deux bras, hop, 4, 3, 2. Grapevine, à gauche, à droite. Et ici, oui, marchez, marchez. Reviens au centre. Tout se passe bien, Cindy? Oui. Jean, tout est bon? Oui. Chez vous, est-ce que tout est bon? Évidemment, quand on marche, si je voulais augmenter l'intensité, je pourrais carrément jogger, à vous de choisir. Je compte sur vous pour vous ajuster afin d'avoir le meilleur workout au monde pour vous, pas pour moi. Allez, on marche, on marche. Ouh! On va rajouter des mouvements là-dedans. Marchez pour 4 ici, 2 poneys, hop. Ah, je peux le faire très, très léger. Je peux faire juste 1 et 2. 1 et 2. Marche. Poney. 1. Encore. Marche. Et hop. Hop. Marche. 2, 3, 4. Hop. Hop. Encore. Marche. Et encore une fois. Et on va rajouter un élément. Et croiser, chasser. 1. Et hop. Et juste ça, OK? Juste ça. Hop. Prends plus de place. Prends tout l'espace que tu as. Hop. Et hop. Et... Ouh! Encore deux autres. Hop. Et on va marcher ici, Jean. On marche jambe gauche. Hop. Poney. Hop. Marchez. Quatre. Poney. Marchez. Quatre. Hop. Et poney. Dernière fois. Attention. Bloquer, chasser. Trois fois seulement. Deux fois. Et marcher pour quatre. Juste ici, tu peux courir aussi. Marcher pour quatre. Poney à droite. Ouais, marcher pour quatre. Et croiser par-dessus.
bloqué chassé. Ouh! Et le dernier quatre pas va tourner. On marche en tournant. Marchez quatre. Poney! Wow! Marchez quatre. Et hop! Croise par-dessus. Bloqué chassé. Bloqué chassé. Un autre. En cercle, on marche. Refais donc ça, s'il te plaît. Poney! Hop! Et quatre. Poney! Bloqué chassé. Hop! Deux. Et trois. En cercle. Gauche. Refais ça. Go! Poney! Hop! Même chose. Nice! Bloqué chassé. Hop! Trois. Deux. Et en cercle. On reprend du début, tout le monde. Step touch, step touch. Quatre. Comment ça va? Ça va bien, hein? En arrière. Recule. On s'en va faire les grapevines. Vous vous rappelez de ça? Trois. Deux. Et mambo. Hop. Step touch à gauche. Deux. Trois. Allez, recule. Quatre. Trois. Grapevine. Un. Grapevine. Deux. Et mambo juste ici. Tout de suite, marchez pour quatre. Et poney. Hop. Encore. Hop. Vous savez où on s'en va ensuite? Bloqué, chassé. Trois. Et deux. Et en cercle, on marche. Woup! Marchez gauche. Un, deux, trois, quatre. Poney. Poney. Quatre. Trois, deux, un. Bloqué, chassé. Trois. Oh, c'est beau ça, deux. Et en cercle. On va le refaire, OK? Marchez quatre. Poney. Marchez quatre. Poney. Bloqué, chassé. Trois. Et deux. Et en cercle, en cercle. Pied gauche. Un, deux, trois, quatre. Hop. Hop. Un, deux, trois, quatre. Hop. Bloqué, chassé. Trois. Deux. En cercle. Et on va aller voir la troisième routine. On va balancer. Balancer. Marche. Balancer. Reste là. Marche, marche, marche. Mais là, tu t'ajustes. Tu peux faire ça très, très, très mollo. Ou je voudrais que tu descendes dans tes jambes. Et descends. Ouh! Aussitôt qu'on descend, hein? Encore. Hop, hop. Encore une fois. Ouais. OK, attention. Step tendu, marcher. Step tendu, chasser. Reste ici, step talon. Step talon. Quick, quick, quick. Step tendu. Quick, quick, quick. Balance à gauche. Marche en bas. Balance à gauche. Marche en bas. Même chose, même chose. Marche en bas. Ouh! Chassé, attention. Step tendu ici. Step. Rapide. Ah, 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 ah. Step tendu. Ouais. Encore juste ça. Step tendu. Hip. Dernière fois. Bien. Balancez. Deux fois. Marche en bas. Pop, 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 pop. Et chassez. Step tendu ici. Step. Quick, quick, quick. Pop, 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 pop. Évidemment, je pourrais faire huit lents, tout simplement. Balance à gauche. Marche en bas. Ouh! Et chassez. Step tendu. Rapide. Pop, 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 pop. Step tendu. Oh! Balance à nouveau. Step tendu. Marchez. Balancez. Chassez. Step talon devant. Rapide. Pop, 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 pop. Step talon. Et dernière fois à gauche. Balancez. Chassez. Oh! Balancez. Chassez. Juste ça. Balancez. Chassez. Oh! Balancez. On reprend ça, tout le monde. Reste ici, balancez. Marchez. Balancez. Chassez. Step tendu. Woo! Quick, quick. Pop, 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 pop. Step, step. Marchez, jambe droite. Oh, oh oui. C'est beau, ça. Comment ça va? Good job. Woo! OK, si t'es prêt, si tu veux, tu peux t'en aller en jogging.
Tu choisis l'intensité qui te convient. On fait 4 genoux juste ici. 4, 3, 2, V-step. Smooth, 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 smooth. 4 genoux, c'est 1, 2, 3, 2, V-step. Comment ça va, ça? Même chose, genoux. 4, 3, 2, V-step. Hop. Et encore une fois. 4, 3. Si tu as le goût de t'amuser, tu peux faire V-step en tournant. Oui. Genoux. 4, 3, 2, 1. V-step. Dernière fois. 4, 3, 2, V-step. On va rajouter un élément. Chassé, croisé. Droite. Petit. Wouh! Vas-y. Encore, encore, encore. Prends plus de place. Hop. Chut. J'aime ta version un peu latine, Cindy. On en fait 3 autres. Attention. 3, 2. Reste ici. Shake, 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 shake. Et marche avec la jambe gauche. Marche. C'est beau. Facile. Attention. Les genoux à gauche. Dans 4, 3, 2, et 4, 3. V-step à votre gauche. Ouh! Genoux, genoux. 4, 3, 2, V-step. Hop. Et chassez tout le monde. Chassez. Hop. 3, 2. Reste ici. Shake, 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 shake. Et attends-moi ici. Yes. Même chose. Moins de répétition. Prêt? 4. Genoux. 4, 3, 2, V-step. Attention, on va enchaîner tout de suite dans les chassés à droite. Il y a 3 chassés. Et 2. Un autre. Marchez ou shake, 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 genoux. 4, 3, 2, V-step. Woo! Chassez. Hop. Et 2, 3. Shake, shake. Balancez les hanches. Refais ça. Genoux. 4, 3, 2, V, step, up. Et il y a un petit test de rythme ici. Chassez. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Shake it. Pop, pop. Genou up. 4, 3, 2, V, step. Est-ce que vous seriez prêt à tout reprendre du début? Ouh, je pense que Cindy est prête, Jean. Shake it. Step, touch. À droite. On y va. 4, 3, 2, deux bras. Grapevine à droite. Un. Et deux. Et pivot. Woo! Et step touch. Deux. Trois. Deux bras. Hop. Recule un peu si tu as l'espace. Grapevine en revenant vers l'avant. Deux. Mambo. On va le refaire. Step touch. Quatre. Trois. Deux. Un. En arrière. Quatre. Trois. Deux. Grapevine. Un. Et deux. Et hop. Mambo. Hop. À gauche. Un. Deux. Trois. Deux bras. Grand. Deux. Trois. Grapevine. Trois. Ouh! Deux. Deuxième routine. Marchez pour quatre. Deux poneys. Ha! Marchez pour quatre. Deux poneys. Bloquez, chassez. C'est parti. Trois. Et deux. Et marche en cercle pour quatre. Tiens, tiens, tiens. Marchez quatre. Poney. Marchez quatre. Poney. Bloqué, chassé. Wouh! Deux. Et en cercle, on va le refaire, OK? Marchez quatre. Poney. J'espère que vous vous sentez bien. Hop. Bloqué. Trois. Et deux. Et en cercle, en cercle. Hop. Pied gauche. Marche. Poney. Marchez. Poney. Bloqué, chassé. Trois. Deux. Chut. En cercle. Et on va balancer à droite. Balance à droite. Deux. Marchez en bas. Quatre. Oh, plus dramatique. Chassé. Step tendu devant vous. Rapide si tu veux. Pop, 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 pop. Step. Rapide. Chop, chop. Balancez. Deux. Marche en bas. Wouh! Yeah. Chassez. Step tendu. Un. Quick, quick, quick. Para, 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 para. Hop.
quick, quick, on va refaire ça. Balancez. En bas. Oh yeah. Step. Chassé. Oh. Step tendu. Chaud. Rapide. Pop, 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 pop. Step tendu. Vous êtes bon? Balance à gauche. Et down, 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 down. Ha, ha. Chassé. Step tendu. Rapide. Pop, 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 pop. Dernière routine. Quatre genoux. C'est quatre. Trois. V-step, vous vous rappelez de ça? On est rendu au bout, là. Vous me lâchez pas là, là. Hein? Chassé, croisé. Un. Et deux. Et trois. Balance les hanches. Chop. Quatre genoux. C'est un. Deux. Trois. V-step. Oh, wow! Chassé. Là-bas, là-bas. Un. Et deux. Et trois. Balance les hanches. On fait ça une dernière fois. Genoux. Et trois. Deux. V-step. Un. Deux. Oh oui. Chassé. Deux. Trois. Balance les hanches. Et une dernière fois à gauche. Quatre genoux. Quatre. Trois. Deux. V-step. Hop. Wow. Chassé. Vous êtes rendu au bout. Trois. Deux. Un. Shake, shake, shake. Et attends-moi ici. Balance, balance. C'est de récupérer avec ça. Marche. Marche, marche. Êtes-vous fiers de vous? Bravo! Yeah! À faire et à refaire le cardio le plus souvent possible. On se revoit tantôt. On s'en va travailler les jambes, on s'en va travailler en fait les membres inférieurs parce qu'on va faire des balanciers. Vous allez allonger vos bras devant et on va s'incliner. Va voir, va voir, va voir et reviens. Juste ça, OK? Juste ça. Descends. Un, plie ta jambe de support. Quatre et reviens. Et là, bien sûr, tu vas dire, mais c'est donc bien dur sur l'équilibre. Installez-vous peut-être derrière une chaise ou un comptoir ou un... fauteuil, à vous de choisir, mais si j'avais quelque chose devant moi ici, ça pourrait être une super idée pour me stabiliser, oui? On va aller un petit peu plus vite, Jean. Cindy, un, deux, et reviens. Un, deux, vas-y. Un, deux, reviens. Un, et l'idée, c'est de vraiment descendre dans ta jambe de support et de serrer la fesse de la jambe en extension. Sentez-vous ça? Un, deux, et reviens. Encore une fois. Un, deux. Est-ce qu'on essaye un lent, 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 lent? Très lent. Quatre. Trois. Deux. Serre, 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 serre. Reviens. Quatre. Oh! J'aimerais ça en avoir un autre. Même vitesse. Un. Ouh! Deux. Trois. Quatre. Reviens. Un. Ouf! Deux. Trois. Relâche un petit peu la chose. Bravo! Prêt? L'autre jambe en avant. Et c'est parti. On y va lentement d'abord. Monte. Un. Deux. Trois. 4, reviens. 1. Et vous allez voir que vous avez toujours une jambe qui est plus solide que l'autre. Descends. 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2. Oui, un peu plus vite, tout le monde. C'est 1, 2, reviens. 1. Wow, vous êtes bons. Je sens les stabilisateurs qui disent oh my God, oh my God. Hop, 2, reviens. Et c'est parfait. Go. 1, 2, reviens. Deux autres comme ça. Go. 1. Deux, reviens. Et vous savez qu'on va le faire plus lent. Vous êtes prêts? Très lentement, même chose. Go. Un, deux, trois. Tiens, 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 tiens. Serre la fesse, reviens. Contrôle, contrôle, contrôle. Ouh! Go. Un, deux, trois, quatre. Reviens, reviens, reviens. Deux, trois. Ah! Encore une fois. Un, deux, trois, quatre. Reviens. Un. Et est-ce que ce serait le dernier? On y va. Pousse. Un, deux, trois, quatre. Reviens. Un, deux, trois. Et relâche. Secoue un petit peu. On le sent partout. Hein? On va le sentir dans la jambe. On va le sentir dans la cheville. Parce que, évidemment, ça travaille les stabilisateurs autour de la cheville. Vous allez prendre vos haltères si vous les avez. Sinon, faites le mouvement. Si c'est la première fois, faites-le sans haltères. On va descendre. Deux. Remonte. Un. Deux.
Et 101. 2. Donc, avec le dos très, très droit, hein? 2. Une petite flexion dans les genoux. C'est un exercice très, très, très traditionnel, très populaire, qui s'appelle les deadlifts et qui va travailler la portion en arrière des cuisses, les ischio-jambiers ici. Donc, descends. C'est toi qui vas décider si tu plies les genoux un peu plus, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un dos très, très plat. Encore, descends. 1. Dos très, très plat et tu penses à pousser ton coccyx vers le haut. Imagine une corde attachée à ton coccyx et la corde tire vers le plafond. Oui, 1. J'aimerais ça qu'on le fasse lentement, OK? Jean, Cindy, 4. 3, 2, 1, remonte. 4. 3, 2, encore une fois, descends. 4, 3, 2, 1, et reviens. 4, 3, et rapide pour 4, et je vous lâche après, promis. 4, 2, remonte 2, 3 autres, 2, remonte, encore 2, descends, remonte, ramène bien les hanches à leur place, descends et remonte, et relâche. C'est très beau. Bravo. Bravo. On travaille les bras, mais on va aller plus loin que les bras. On est dans les épaules et on est aussi dans le bas du dos parce qu'on va faire ici. On va plier les coudes. On va lever les mains et revenir ici. Donc, on allonge. On plie les coudes. On ouvre à partir de la coiffe des rotateurs. Allonge. 1. Jean, est-ce que tu pourrais faire ça avec des haltères? Ah! C'est très difficile, cet exercice-là. Vous l'avez déjà constaté. Si on rajoute des haltères, ça augmente énormément le travail. Alors, si vous prenez des haltères, prenez-en qui sont légers. Ouvre. Hein? Oh, wow! Encore une fois, allonge, le dos très droit. Si vous n'êtes pas confortable dans le plié, remonte un petit peu, tout simplement. OK? Parce qu'on est surtout dans les bras, dans les épaules, dans le haut du dos. Serre les omoplates ensemble. Ouvre. J'aimerais ça le faire rapide, OK? Quelques répétitions. Allonge, plie, ouvre, reviens. Allonge et qu'on le sent bien, n'est-ce pas? Allez, allez, encore allonge, plie, ouvre. Et un dernier, allonge, plie, ouvre et relâche. Secoue ça un petit peu. On va prendre nos haltères que vous avez devant vous croisés. Vous avez changé des haltères, hein? Parce que Cindy va utiliser des haltères beaucoup moins lourds. Cet exercice-là, c'est au-dessus de la tête. Regarde ça. Les mains sont ici. On monte en deux temps. Monte. 1, 2, descends. 1, 2. Regarde la position de mes pieds. Ça peut être juste bien, bien, bien confortable. Je pourrais avoir les deux pieds collés. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez super stable. Et si vous vous sentez stable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler en équilibre. Toujours avec le même bras. OK. Allez, hop. Encore une fois. Hop. On va changer bras et jambes. Maintenant, prenez le temps de vous installer. Hop. Bien. Pense à grandir. Pense à allonger. Encore deux ici. Hop. Un. Et un autre. Est-ce qu'on pourrait le refaire? Pourquoi pas? Bien sûr qu'on peut le refaire. Si vous voulez, évidemment, vous pouvez garder juste votre pointe de pied au sol. Hein? Ce que ça fait, c'est que ça me fait quand même travailler les stabilisateurs. Et ça me rassure. Encore un. Change de côté. Même chose. Pousse un. Et reviens. Bien. Pousse un. Pense à grandir. Pense à allonger deux fois encore. Hop, hop, hop. Woo! Encore un. J'aimerais ça aller dans les triceps. Est-ce que vous voulez aller dans les triceps? Je me tourne de côté pour que vous voyez bien l'exercice, mais on est en fente. On va prendre un haltère et on va tirer vers l'arrière. Ça va donner ceci. Tire lentement, allonge lentement, plie et reviens à la position de départ. Oui? Encore une fois, tire lentement, allonge jusqu'au bout, reviens. Et ça aussi, hein, ça va être une question de charge. Donc, selon le travail que vous voulez, selon l'intensité que vous voulez,
Vous allez choisir une charge qui vous convient. On va aller plus vite, tout le monde. Tire. Un, allonge. Hop, plie et reviens. Regarde comment mon coude reste à la même place. Et on a rajouté un mouvement qu'on appelle un row. En tirant ici, j'implique mes dorsaux. J'implique les muscles de la coiffe du rotateur. Et encore un. Chou! Et maintenant, rapidement, on va changer de côté. Vous êtes prêts? Et on va tirer. Allez, tire. Allonge, plie, reviens. Tire. Ah, allonge et reviens. Tire, allonge et... Encore, oui. On est allé un peu plus vite dans celui-là. Ouh! Encore, hop. Ouais, même chose. Pouvez-vous m'en faire quatre encore? Quatre. Chut. Trois. Est-ce que c'est égal? C'est pas mal égal. Deux. Et voici le dernier. Hop! Et relâche. Bravo! C'est du beau travail, ça! Beaucoup, beaucoup de contenu dans un petit coup de minute. Bravo! Prenez un moment pour vous étirer avec nous. Vous savez que c'est important, c'est même essentiel. Vous avez travaillé fort, les muscles ont besoin d'être allongés, ont besoin d'être détendus. On va justement allonger notre jambe droite, on va aller tirer nos ischios. Donc, à vous de voir, on va s'avancer sur la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, mais je ne vous demande pas d'aller placer le nez sur la jambe. On veut juste s'avancer à partir des hanches avec un dos droit. Vous allez sentir l'étirement derrière la cuisse et peut-être même jusque dans la base des muscles fessiers. Regardez la position. Reste là encore quelques secondes. Et essayez d'apprendre à utiliser votre respiration parce que regardez bien, on va monter, on va inspirer. Et en expirant, on va pouvoir aller un peu plus loin parce qu'au moment de l'expiration, les muscles sont beaucoup plus détendus. Et on reste là. On essaie de garder ces quelques degrés supplémentaires. Et on déroule doucement. Merveilleux, cette jambe-là qui est pliée, on va la placer par-dessus, le plus près de nous possible. On va enrouler notre bras autour. On va penser à allonger le dos. Et on va faire une petite torsion sans trop forcer, juste confortable. Essaie d'aller regarder le plus loin possible derrière. Reviens vers l'avant, prends une grande inspiration. Expire et tourne. Torsion. Reste là. Bien. Super beau. Reviens au centre. Garde les jambes dans cette position-là. On va juste basculer vers l'arrière. Et là, on est dans les muscles fessiers. Alors, vous étiez peut-être ici. Pense à avancer les épaules. Et là, on va sentir l'étirement dans les muscles fessiers. Ça fait du bien. Forcez le pas, laissez-le confortable. Et c'est avec un dos droit, c'est quand je vais avancer mes épaules avec le dos droit que je vais sentir l'étirement, oui. Restez là encore. Bien. Prêt? Et on va allonger la jambe gauche, votre jambe gauche. Même chose, allonge le torse. Et on descend. Reste ici. Relaxe la jambe. Inspire et monte. Expire et descend. Et garde la position. Restez là un petit peu encore. Bien. Remonte doucement. Et on va prendre cette jambe-là, on va la placer par-dessus. Enroule le bras autour du genou. Allonge le dos et pivote avec le tronc. Le dos très, très droit. Et regarde loin derrière. Bien. Inspire, reviens vers l'avant doucement.
Expire et va un petit peu plus loin peut-être. Tire dans le genou vers l'épaule. Et reviens doucement au centre. C'est beau. Transfère le poids en arrière. Avance les épaules. Sans forcer. Relaxe bien la jambe qui est fléchie. On s'avance doucement. Et essaie le test, le va un peu en arrière et reviens vers l'avant avec le dos plat, les épaules en avant. Super beau. Ça fait du bien dans les fessiers, hein? Quelques petites secondes encore. Et relâche doucement. On va croiser les jambes maintenant. On va terminer ici. Mais je veux aller dans vos épaules, je veux aller dans l'angulaire, dans le trapèze. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber la tête à votre gauche. Et on va placer le bras droit dans le dos. Donc, en même temps, mon épaule est abaissée, mon dos est très, très droit. Et vous allez sentir l'étirement sur le dessus de l'épaule. Puis fermez les yeux, essayez de relaxer en même temps, profitez du moment. Et relâche. Relâche tout. Relâche les épaules. Évidemment, on s'en va de l'autre côté. La tête à droite. La main dans le dos. Si la main n'est pas confortable dans le dos, je peux simplement allonger mon bras de côté. À vous de voir ce qui vous convient. Garde la tête de côté. Encore un peu. Restez là. Reviens au centre. Relâche les épaules. Et on va prendre la petite minute qui nous reste pour juste s'avancer. Se laisser tomber vers l'avant. Laisse tomber la tête. Laisse tomber les bras vers l'avant. J'espère que vous êtes très, très fiers de vous. Vous avez fait un super beau travail aujourd'hui. On se revoit très, très bientôt. Bye!